coopération Sino-Malagas, évolution dans le secteur touristique. Le nombre de touristes chinois en visite à Madagascar a connu une hausse depuis l'ouverture de la ligne aérienne directe reliant Antananarivo à Guangzhou. Ces touristes portent un engouement particulier pour la biodiversité malgache, a précisé Jocelyn Ramalambouich, vice-président de l'Office national du tourisme. Ils étaient 40 millions de Chinois à avoir pris l'avion pour des destinations touristiques en 2010, contre 60 millions actuellement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Office national du tourisme organise des manifestations pour promouvoir la destination Madagascar auprès des pays d'Asie. Oui, on est content d'entendre ça et nous aussi on a constaté l'augmentation du nombre de touristes chinois à visiter en Madagascar. Et ça, c'est le fruit des efforts que l'Office national, certains opérateurs avec notre compagnie nationale Air Madagascar, a déjà entamé depuis 2010. Et maintenant, on constate qu'on commence à accueillir le fruit. Donc, alors, c'est très bien pour nous. D'autant plus que nous, on a constaté ça et puis on a dit qu'il faut continuer l'action de promotion sur ce marché immense, parce que c'est vraiment immense le marché chinois. En 2010, on nous a dit qu'il y avait 40 millions de Chinois qui faisaient le tourisme à l'extérieur de la Chine. Cette année, on nous a dit qu'ils sont à 60 millions. Et pourquoi pas une petite partie de ces touristes-là venir à Madagascar. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons l'effort de promotion sur ce marché. La semaine dernière, on a fait, en collaboration avec l'Air Madagascar, on a fait un roadshow dans deux grandes villes chinoises, notamment à Shanghai et à Beijing. On a invité les professionnels de tourisme, les agents de voyage susceptibles de vendre Madagascar comme destination. Et c'était satisfaisant. Un nouveau souffle dans le secteur touristique malgache. En effet, Madagascar figure depuis cette année dans la liste ADS Country. La coopération Sino-Malagas en est actuellement à son 40e année d'existence. Une cérémonie entrant dans ce sens a été organisée hier au Pavillon d'Or à Ivat, placée sous la houlette de son Excellence Monsieur Chen Yongxian, ambassadeur de Chine à Madagascar, et en présence de Piero Razonarville, ministre de la diplomatie malgache.